malédiction frappe la cité. Avec l'aide de Mary Morstan et Thaddeus Sholto, Sherlock Holmes a réussi à trouver le responsable de la malédiction, un vilain virus. Moi, John Watson, j'en ai découvert le vaccin. Sherlock Holmes a accepté d'en être le cobaye. Tout est bien qui finit bien. Bref, c'est l'heure du thé. A cup of tea? Thank you. Thank you. Thank you. La malédiction de la couronne est désormais un dossier clos. Oh, quel soulagement. Et les théâtres qui à nouveau ouvriront leurs portes. À moi les grands rôles. Othello, Hamlet, Peacock. Docteur Watson, grâce à vous, j'ai pu reprendre mon emploi auprès de la reine. Et vous, monsieur Holmes, tout va bien depuis le vaccin? Oh, excellent. À peine quelques effets secondaires. C'est très encourageant. Avec un peu de chance, le vaccin pourra être offert à la population d'ici quelques années. Oh, et nous n'aurons plus à garder nos distances, n'est-ce pas, docteur? C'est exact. Sans compter que vous n'aurez plus à faire ces longues heures à l'hôpital. Dites-moi, vous êtes libre samedi soir? Oh, Holmes, nous avions des plans. Puis-je avoir votre accord pour inviter Mary? Mais où est-il? Que se passe-t-il? Je ne goûte plus le thé! John! John! Non! Je crois que c'est le moment où, comme dans toute bonne histoire, un élément perturbateur vient changer le cours des événements. Mais c'est impossible! J'ai trouvé le remède! Dr. Watson, je sens que la fin approche. Je vais vous montrer comment mourir. Aïe, aïe. Oh. Un peu sucré, votre thé. Très.